tien est assuré. Comment tu te sens? J'ai vraiment un sentiment très très bizarre parce que tu perds le match et puis finalement il y a beaucoup de joie dans le vestiaire. Mais je pense qu'elle est légitime parce que même si on n'est pas encore à l'heure des bilans parce que le championnat n'est pas terminé, on revient quand même de très très loin. Et je pense que il fallait peut-être être un petit peu fou parce que si on avait eu tout le temps de la lucidité, on se serait certainement dit que ce qui nous attendait, c'était quand même une sacrée montagne. Donc, pour reparler du match, on a été absent en première période. Et puis, on a eu une réaction d'orgueil en seconde mi-temps. On savait que les résultats pouvaient nous être favorables pour obtenir le maintien. Donc, forcément, on est très très satisfait de pouvoir dire aujourd'hui qu'on sera en Ligue 2 l'année prochaine parce que ça a été quand même 4 mois et demi très 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 compliqué, vous le savez très bien. Tu peux nous le dire, est-ce que tu t'es après coup, est-ce que tu t'es tenu au courant ou c'est vraiment à la fin du match que tu as tout découvert? Non, je ne connaissais pas les résultats. Donc je suis rentré forcément très énervé à la fin du match au vestiaire et puis j'ai vu quelques mines souriantes, donc j'en ai déduit que certainement Arles avait battu Metz. Comment t'expliques l'entrée en matière de tes joueurs? C'était très fébrile, manque d'appui ou... Bon, mais tu te prépares toujours à faire la meilleure entrée possible, même si à la deuxième minute on frappe le poteau, mais derrière on prend un contre à la 11e, on a laissé beaucoup trop d'espace, on a perdu. On n'a pas été bon sur les fondamentaux hein, qui font qu'une équipe est capable de voyager dans les duels, dans l'agressivité, dans la détermination, dans l'impact, dans les courses. Donc on est revenu à des choses plus basiques en seconde période et en montant un tout petit peu notre niveau de jeu, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être matière à faire mieux. Donc voilà, j'ai presque envie de dire que maintenant quand même le résultat de ce soir est très anecdotique par rapport au feedback que je suis en train de faire tranquillement dans ma tête sur tout ce qui s'est passé depuis quelques mois. En conclusion, il était temps que cette saison se termine. Je pense pas. Moi, je vis un truc extraordinaire avec les joueurs depuis 5 mois. Je pense pas qu'il faille se regarder le nombril. C'est certainement pas ça. Mais une aventure comme celle-là, c'est avant tout une aventure humaine. Et j'ai l'impression que on a plutôt pas mal manœuvré. Et puis, il y a des choses qui vont rester forcément entre nous. Mais il y a beaucoup d'émotions parce que les joueurs ont été sous pression depuis 5 mois, depuis le premier match contre Guingamp. Et vous êtes là pour nous le rappeler. On joue des matchs très compliqués, des matchs à pression, des matchs à pas perdre, des matchs coup près. Donc, bon, voilà, on en est au 19e. Et bon, j'ai vraiment pas envie de bouder mon plaisir ce soir, même si, bon, voilà, il faut garder bien évidemment de la mesure dans tout ça. Passer par de telles galères, tu penses que ça peut être un avantage pour ce groupe l'année prochaine? Je sais pas qui a dit ce qui ne tue pas rend plus fort. J'espère que ce que tous les joueurs ont vécu depuis quelques temps nous rendra plus solides. C'était un groupe très jeune. Et se sortir de ce pétrin-là avec des gamins qui n'ont pas d'expérience, amenés à lutter dans des matchs à pression. Le match contre Bastia il y a 8 jours, on l'a joué avec 6 garçons qui jouent en CFA l'année dernière. Donc bon, voilà, ça un apprentissage qui j'espère sera bénéfique. Il y aura la volonté de bien terminer face à Arles-Avignon vendredi prochain? Bien évidemment, on doit ça à tous nos supporters, aux gens qui nous ont toujours accompagnés et soutenus, qui ont cru dans notre projet de sauver le club, parce que je pense qu'on peut dire ça. Donc j'espère qu'il y aura forcément du monde pour le dernier match et qu'on saura l'emporter pour finir la saison de la plus belle des manières. Est-ce que Denis Zanko ce soir a envie de rempiler? Ah, je pense pas que je sois le meilleur interlocuteur pour répondre à cette question-là. Et puis je pense que... T'en as bien envie. Je pense que il y a un temps pour tout et c'est certainement pas le moment ce soir. Ouais. Merci beaucoup. Merci.